quartier. Ce n'est pas ce que je crois. Ce que moi-même j'ai vu, j'ai entendu. Ce n'est pas ce que je crois. Voleur de mari. Voleur de mari. Tu dis que tu n'as pas volé mon gars. Tu me dis que toi, Eric. Il n'a jamais vu ton caleçon. Il n'avait jamais vu ton caleçon. Il n'a jamais vu ton caleçon. Toi, mon ami. Vraiment. Tu sais comment trouver un gars géant. C'est très rare. Tu as vu les mollets ici. J'ai marché. Pour avoir ce genre de gars. J'ai marché, maman. J'ai marché. Tu as entendu? Mais je trouve mon gars. Grand de taille. Costaud. Footballeur. Hey, maman, arqué. En plus, avec les dos. Toi, mon ami, tu veux me la capable. Mais je vais me baisser ici, là. Fille légère. Ok, je suis une fille légère. Ton gars, non, c'est un gars léger, tu as compris? Hey, c'est un gars léger. Maintenant, tu avoues. Oui, j'avoue, je suis avec Tu lui. Avoues que tu sois avec Eric. Oui, je suis avec Ok, lui. J'ai même pitié de toi. Quand il te regarde, j'ai vraiment pitié de toi. Ah bon? Comme tu as avoué que tu sors avec mon gars, mon chouchou d'amour, je vais dire à tout le quartier que tu ne connais même pas préparer. Tu te rends compte que tu fais le héros avec lui d'arachide, maman? Depuis quand? Mon gars est allé aux toilettes 3 jours. Il a failli même dormir là-bas. J'étais obligée. Moi, la titulaire, oui. Je parle à haute voix. Oui, la titulaire. Sa femme. J'étais obligée de l'amener à l'hôpital. Vraiment, tu n'as pas honte. Toi et moi, là, l'amitié, là, c'est terminé. Je ne veux plus te voir. Non, mais 100 mètres. Ma gueule, ne t'inquiète pas, tout le quartier est déjà au courant. Affaire de peste, de manière transformant la belle au couépouse en plein carrefour. Nadège, bonjour. En fait, si je suis venue te parler, non, c'est pour te dire que je suis sincèrement désolée pour le problème qu'on a et ce que je t'ai fait. Mon intention n'était pas de te faire du mal. Et puis, toi-même, tu sais à quel point je t'aime et que je te porte dans mon cœur. Donc, je ne voulais pas faire le problème avec toi. Et puis regarde, quand il y a les situations qui arrivent, quand le problème qui est ici là, non, moi, je n'ai pas la personne avec qui je vais faire le Congo. Moi, ça me fait très mal. Moi aussi, je suis désolée. Je n'aime pas rester en problème avec toi. Parce que ne pas parler avec toi là, c'est difficile. Je te dis, il y a les situations de Congo, ça, mais tu vas parler avec qui? Tu vois le père qui aime critiquer les choses et les gens comme quoi? Il est passé ici là, l'autre jour. Il va pas faire honte, c'est fini. Il y a plus ça, mais il n'y avait pas la personne avec qui il devait parler. Ouais, merci Nadège, ça me fait plaisir. Merci aussi à toi. Bon, pour se réconcilier, non, tu vas me faire un bon plan, non? De sauter. Oui, avec la statue dans le piment. Ça, là, là, là. Merci Nadège. Aller chez Nadège, c'est de ce côté. Pourquoi tu m'as d'abord traversé? Je veux juste un renseignement, je vais chez Nadège. Non, tu es passé là, tu m'as vu, tu m'as toisé et puis tu m'as traversé. Pourquoi tu es revenu? Je vais chez Nadège. On m'a dit que quand j'arrive ici au carrefour. C'est toi qui veux le renseignement, non? Oui. Alors calme-toi. C'est comme ça que vous cherchez les problèmes ici, là, vous sans connaître. Jacques, tu es passé, tu as vu un gars charismatique comme moi. Parce que je le démembrais, parce que j'ai la culotte,
parce que le chapeau, tu t'es dit ça, c'est un gars, il ne sert à rien. Il ne peut pas m'être utile. N'est-ce pas? Tu m'as sous-estimé. Tu m'as carrément classé dans une classe que tu ne penses pas que je suis. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que là, tu viens de me sous-estimer. Tu viens de me discriminer. Oui, tu viens de me rabaisser. Et ce n'est pas normal. Parce que quoi? On ne juge pas quelqu'un. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Parce qu'il a été possible pour Platon d'affirmer et de prouver que Diogène est quitté d'un point A à un point B. Comme pour dire quoi? Il est possible de changer de classe sociale. Et c'est pareil, Stendhal affirme à juste titre que tout ce qui est beau ne sert à rien. Et quand je te regarde, tu es très belle. Et moi, je suis laid. Raison pour laquelle tu as besoin de mon service. Dans un premier temps, il est question... Papa, chez Nadège, c'est où? Chez Nadège, c'est où? C'est tout ce que je veux savoir. Tu vois le couloir sinon? Oui. Tu longes le couloir, tu vas voir un portail noir. Juste après le portail noir, il y a un carrefour là, c'est le carrefour Pawa. C'est là-bas que Nadège est. Merci Aristote. Aristote comment? Moi c'est Waza. Aristote comment? Moi, j'étais même encore au début. Je n'ai pas encore bien développé. Je n'ai pas encore fait la première thèse, la deuxième. Je vais trouver une autre victime. Tu es belle. Ton téléphone là, c'est le iPhone. Pro Max. Maman. Excuse-moi. Ta greffe là, c'est la brésilienne. Une somalienne. La brésilienne est déjà très vulgaire. J'ai moi dit. Parce que c'est le genre de mèche, si moi je vois ce roman à la télé, j'ai jamais vu ça sur la tête de quelqu'un en vrai. Maman. Tu dis même que tu cherches ta cam pourquoi? Lui et moi, on gère des business ensemble. Donc, ta cam là est ici comme ça là. Il gère les business avec les gens comme ça. Il a rencontré le genre de personne, c'est où? Mais Nadège, depuis que je suis arrivée à dans mon plat là. Maman, laisse-moi. Je suis dans les rêves. Il y a vraiment de quoi rêver. Je me demande ce que cette belle de nuit est sortie faire le jour. Je me demande, qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Vous ne connaissez pas les gens, vous vous permettez de les juger comme bon vous semble. C'est quelle histoire ça? Voilà pourquoi je n'aime pas souvent venir dans les sous-quartiers comme ça. Maman, voilà, ne nous tape pas où? Aïe. Hein? Elle cherche Takam. Takam. Une fois, il m'a dit qu'il a sa grande soeur qui est en Europe. Peut-être c'est elle. C'est vous, madame. Je fais voyager les gens, madame. Voyager. Hey, Nadège. Ah, mais comme ça, t'as comme lui, mais à voyager, il nous laisse la dette au... La mort. Maman, pardon, essaie un peu de me dire. Il part quand? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pardon. Vous allez un peu me laisser respirer. Je suis en train de manger. Vous me posez la question. C'est même comment avez-vous ici là? Thank you. Là déjà. Aïe. Pardon maman. Pas.
ce que tu bois là. Moi, je ne suis pas sûre que Takam va venir payer ça. Attendez, attendez, regardez-moi bien. Quand vous me regardez de la tête aux pieds, je suis à trois petits jus près. Il faut souvent respecter les gens. Je suis là, je gère de gros business avec de vraies personnes. Vous me parlez de trois petits jus. C'est même qu'elle a fait ça. Petit Raï. Elle dit bon appétit, non? J'ai suivi, mais je ne pense pas être obligée de te répondre. Ok. Tu as quel problème? Nadège, encore fait quoi? Donc, dans toute ma vie, il n'y a que Nadège. Si j'ai un problème, c'est Nadège. Si j'ai mal à la tête, c'est Nadège. Si je suis malade, c'est Nadège. Si ma vie ne donne pas, c'est Nadège. Nadège ne m'a donc rien fait. Ça veut dire que si Nadège ne t'a rien fait, ça veut dire que tu vas bien. Toi, au moins, tu vas bien. Moi, ça ne va pas. En fait, Raïka, quand elle venait même te voir comme ça, là, c'est parce que là où tu me vois, là, hier, tu avais un an, mais ça ne suffit pas. J'avais besoin de 12 000 pour compléter, pour ma pension, pour la. Sinon, je ne vais pas pouvoir composer la session normale. C'est chaud sur moi, et t'en prie. Ouais. Tu as un problème d'argent. Oui, sinon, si je n'ai pas ça, il ne compose pas la session normale. Monsieur, sache donc que tu as un problème qui est plus grave que l'argent actuellement. Il y a ta blanche qui fait voyager les gens. Il fallait lui expliquer ton problème. Elle va te donner l'argent. Tu vas résoudre ton problème avec. Ok. Salomé. Salomé! Takam, tu me donnes rendez-vous et tu me fais attendre comme ça. C'est que je ne savais pas que tu allais venir. Tu n'as pas confirmé ta présence. Si tu avais confirmé, c'est que peut-être. Hé, hey, monsieur le voyageur, passe d'abord régler ta facture ici. 3 500, c'est ce qu'elle a consommé avant que vous ne continuiez vos choses de partenariat. S'il te plaît, règle ça rapidement et on passe d'ici. Salomé, tu consommes 3 500 dans un tourneau d'eau? Ça m'a seulement quoi, non, maman? Attends un peu. Tu me donnes rendez-vous. Depuis une heure de temps, je t'attends ici. J'ai faim, j'ai soif. Je fais comment? Je ne consomme pas. Donc, les 3 bouteilles, là, c'est toi qui as bu ça seul. J'avais soif. Moi-même. Pardon? Non. Il n'y a rien dit. En tout cas, tu sais quoi faire. Tu sais où me trouver. Tu as faim? Si c'était même ça mon problème, n'est-ce pas, ça allait être bien. Il n'y avait même pas d'appétit en ce moment. Ah, ici là, et d'avoir mes problèmes, je viens trouver une dette de 3 500 alors que j'ai été chercher 12 000 pour pouvoir compléter et payer ma pension. C'est seulement dépassé. Encore là, Aristote. Je suis encore là. Ça tombe même bien. Je n'avais pas encore fini avec ma dissertation. Parce que comme je disais, dans un premier temps... Pardon, il n'y a pas le temps pour ça. Dis-moi par contre, est-ce que tu connais un endroit où je peux faire un dépôt Orange Money ici? Ok, tu as traversé ça en venant où? Je suis 12 ans, ils m'ont emprunté ma pension. Je ne sais pas moi comment tu es trop paresseux. N'est-ce pas récemment, tu as commencé une formation à Orange Digital Center avec Nathan? Il a continué, il a fini. Et le voilà, c'est lui qui code partout ici au quartier. Il a son argent. Viens t'asseoir là, tu pleniches comme un enfant. Je sais que qu'est-ce qui m'arrive même souvent. Pourtant, la formation a été gratuite. Si ce n'est pas maison que paternel, il veut dire quoi?
C'est forcément mes oncles paternels qui sont en train de jouer avec mon avenir, non? Il n'y a pas une autre explication à cette affaire. Merci, Nancy. D'accord. C'était qui cette fille? C'est Salomé. C'est une fille aussi comme ça. Là. Elle est nouvelle dans le quartier. Elle est là-bas en haut. Elle puise aussi l'eau chez ta Célestine. Que ça peut t'aider. Attends. 15 000. Attends, ça veut dire qu'il peut payer mes 12 000 et payer aussi la dette de Salomé. Donc ça veut dire que je peux rappeler Salomé. Hey, tant qu'il appelle même d'abord. Yeah, Takam. Pourquoi vous les hommes vous êtes comme ça? Une fille porte ses pieds, vient s'asseoir là. Elle te met dans les dettes. Elle se lève, elle part. Une autre vient te donner l'argent. Là, là, là. Tu veux déappeler ta bimbo pour venir manger l'argent qu'elle vient de te donner. Tu sais quoi? Et payer ta dette un autre jour. Eh, ne t'amuse pas avec moi. Bye! Je suis parti. Bon, comme tu es déjà ici, tu me donnes ton argent et pas t'aider à faire le dépôt alors. Donc... Moi, je te donne mon argent pour que tu ailles faire le dépôt. Non, je suis un gars de confiance. Continue de rêver. Non, je suis un gars de confiance. Ah, bon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord. Tu vois un peu. Donc, je t'aide à te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher d'être heureuse. Ok. Oui. Comment tu t'appelles déjà? Ah, Ingrid. Ingrid, ça, c'est un très joli prénom. Bon, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Là, on peut continuer la dissertation même au téléphone. Quoi? Tu es même sérieux dans tes histoires. Non, c'est très important. La philosophie, c'est l'art de savoir vivre.